Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Assassin's Creed Mirage. Ça me fait plaisir, pourquoi? Parce que déjà, de 1... Attends, non, mais il faut que je te parle sérieusement. De 1, je suis très nostalgique du premier Assassin's Creed, d'accord? Donc Ubisoft, là, vous me prenez un peu par les sentiments. C'est un peu comme ce que vous avez fait sur Far Cry 6 par rapport à Far Cry 3. On retrouve un petit peu la même vibe, un petit peu le même univers. Est-ce que ce sera pareil? Je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, voilà, Assassin's Creed 1... J'ai joué à l'ancienne avec les méchants quand ils te croisaient, ils disaient Ya Ibn el Kafir, ça veut dire fils de mécréant, je sais pas quoi. Ils disaient des dingueries quoi, tu vois ce que je veux dire. Bref, aujourd'hui, ça va être pareil. Enfin, pareil, je sais pas, est-ce que c'est à la même époque? Je sais même plus, frère, si c'est à la même époque ou si c'est. Bref, dans tous les cas, à l'époque, c'était Altair. Altair! Et aujourd'hui, c'est Bassim, je crois, ou Bassem. Non, c'est pas Bassem, c'est Bassim, je pense, hein. C'est pas la même personne. Hein. Vous m'avez déjà interrogé au sujet de cette mémoire. Eh bien, j'ai menti. Je vous ai dit qu'elle était perdue. Je craignais que l'on en tire une mauvaise leçon. Mais cet homme a eu de nombreuses vies. Et il a beaucoup à nous apprendre. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était rien de plus qu'un banal voleur. Il s'efforçait de survivre dans les rues de Bagdad, rêvant d'un avenir meilleur. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les miséreux qu'il côtoyait. Car même s'il vivait durant un âge d'or, au cœur et au sommet du califat abbasside, je l'ai attendu ce jeu quand même. Hein. De gratter un peu, la vérité. Apparaissent la pourriture. La pourriture. L'ordre des anciens s'ingéniait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Merde. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient. Frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte. Bassim ibn Ishaq. Bassim! Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous, nous courons le risque de confondre ténèbres où nous marchons et lumière que nous servons. Nous sommes susceptibles d'être mis à l'épreuve comme il le fut. Et je crains que ce moment approche. C'est comme des sables mouvants. Sauf que c'est pas émouvant. Doucement, Bassim. Respire. Je connais cette voix. C'était le djinn encore. A'oudou billah, je te jure, j'allais vous dire que c'était des genoux. Qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami, cette fois? Elle voulait quoi? Me décoller la chair des os. Me dévorer les entrailles. Eh, j'ai l'impression que je vais kiffer. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse sa marque. Ça parle de genoux, les deux. Son corps courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Faut lire Ayat Kursi, il faut brûler. Faut un autre contrat. Faut purifier un peu. Tu mets du Coran. Encore eux. On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal, allons. Qu'est devenu ton sens du devoir? Le devoir ne nourrit pas son homme. Non, en effet. Mais il enrichit l'âme. Bon, je t'attends dehors. C'est la voix de qui? Because I know this voice, man. Oh, les reilles, j'ai mis du super échantillon. Là, frère, j'ai tout mis au max.
résolution x2, ça veut dire là je joue en 8K en fait, ou je sais pas quoi. Eh, je sais pas, me pose pas de questions, frère, j'ai voulu il tout mettre au max. De quelques bons outils pour bâtir la plus belle des mosquées. Sors tes pieds du sable, Bassim. J'espère que tu continues à répandre ta sagesse, père. Où que tu sois. L'heure est aux ombres longues aujourd'hui. Ne faisons pas attendre Derwish. Je ne supporte plus ses remarques. J'ai cru, il a dit Derwish. Derwish t'en a déjà confié beaucoup. Derwish ! Il sait qu'il peut compter sur moi. Tu as gagné sa confiance, c'est vrai. Je vous explique, Derwish, ça veut dire... un mec très gentil, quoi. Je crois, non ? Derwish, on dit, Derwish, il est Derwish, il est... Bref, t'as capté. Vraiment avoir gagné la leur ? Celle de ces gens étranges ? Depuis tout ce temps, j'espère, oui. Qu'ils le montrent, alors. Tu prends tous les risques, Bassim, et ils ne t'offrent presque rien en retour. Ce sont des libérateurs, Nihal. Pas des marchands. Je connais les histoires qu'on raconte sur eux, merci. Ouais ! Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. L'eau ! Va dans l'eau, va dans l'eau ! Ouais ! On peut pointer dans l'eau ? Allez, allez, pointe dans l'eau ! Pointe dans l'eau ! Non ? Ah, pointe dans l'eau ! Ça veut dire, en gros, tu nages vite. Ah, moi je pensais qu'il allait nager dans l'eau, à l'intérieur, sous l'eau. Bon. Bon, elle est où ma pote, là ? Where is my pote ? Ah, elle est restée là-bas, frère ! Ah ouais, non, elle m'attend pour Derwish. Ah, j'ai capté. Qu'il le montre, alors ? Tu prends alors tous les risques, Bassim, et il ne t'offre presque rien en retour. Ce sont des libérateurs, Nihal. Pas des marchands. We go where ? On raconte sur eux, merci. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. Oui, oui, ouais, j'ai compris. Du coup, là, en fait, c'est où, Derwish ? Je te suis, meuf, hein. Ouais, parce que tout à l'heure, quand je suis allé m'aventurer, tu me suivais pas, et quand je suis là, tu fais du stationnement. Ok. Ah, je sais plus où elle est. Ah, elle est là. Ah, c'est ça le vrai Assassin's Creed que j'ai connu à l'ancienne. You know? C'est des milieux comme ça à l'ancienne. C'est une autre époque. Dans un milieu un peu... rebeu, si je puis dire. À propos de ce contrat... Je ne veux pas que tu prennes mal mes paroles. Je pense avant tout à toi, Ya Sadiki. Il n'y a aucun Sadiki, ça veut dire mon ami. Comme le font ceux qu'on ne voit pas. Je suis un traducteur, les frères. Tu te prends pour le héros de demain, le nouveau Gilgamesh ? Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie au bien de la population et n'a récolté que le mépris et l'oubli. Mais... je suis flatté que tu penses que je puisse atteindre de tels sommets. Peut-être vais-je les viser ? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que j'ai compris. Ok. Aujourd'hui, pas de cheat, en tout cas, les frères. Quelle foule ! Il doit se passer quelque chose d'important. Le calife a été appelé au palais d'hiver. Parce que le jeu n'est pas encore sorti au moment où je vous parle. C'est sans doute son riche cortège qui attire tout ce monde. Au moment où je fais la vidéo... Oh ! Peut-être ces gens sont-ils d'humeur généreuse ? Quand j'ai sauté, ça a tremblé. On voit venir. Un petit tour de main pour nous mettre en jambe. Si ce contrat doit nous affamer, le califat pourra nous nourrir. Ce marchand-là, il a laissé sa bourse sur la table. Un coup facile pour commencer. C'est des chauffards ! On va voler les chais ! J'allais dire les gars et les chais à la fois, donc c'était bizarre. Bon, mieux vaut ne pas traîner ici. Je crois... on a chopé... 5 dirhams. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ref ? Ouais, je suis désolé, c'est parti quelque part. Il y a un oiseau qui est passé par là. Et il a pris... Ah, mais je pensais que je devais éviter... Je pensais que la meuf, c'était un soldat, frère. Ou un garde. Oh, le hamar ! Tu fais bien le hamar ? Là, celui qui s'agite, il doit transporter des objets de valeur.
celui qui s'agite. Hein? J'ai pas très bien compris là. D'accord. Alors, hop là. Mais où est-ce que tu vas, Marc? Discret comme la brise. Elle est en train de me gueuler dessus, après elle est tranquille. Détrousser les marchands. Juste là, près de cet étal. Elle a quelques pièces. Ah, c'est haram, c'est des gens, ils gagnent des sous de manière... T'as capté? Raisonnable! De manière licite! Bravo! Et moi, je chauffeur. Vraiment le roi des voleurs d'Anbar. Serais-tu jalouse de moi? À peine, ô grand voleur des rues. Tu es insupportable. Bien, Derwish nous attend. Derwish. Waouh! Et où ma pote du coup? Elle est encore en bas là? Tu es restée à m'attendre comme une tubée. Alors, bon, en fait il est plus loin en face. Quoi? Oh! Oh la classe! J'aime bien ça. Elle a dit, mais c'est des genoux, astaghfirullah, c'est étrange. C'est très étrange. Ouais, donc je peux vous confirmer, les doublages sont ton arabe. C'est Bassim. Ouais, c'est Bassim. À ne pas confondre avec Bassim. Oui. Allez, bouge, hein, je te balaye. Je me demande quelles histoires on va encore entendre aujourd'hui. Des fables. Et c'est téléporté, frère. Belle prise aujourd'hui, Bassim. Amine, comment va ton genou? Amine! Bien mieux, Bassim. Je l'ai bandé et laissé reposer, comme tu me l'as dit. T'es en train de bander? Si tu n'en fais pas trop et laisses les choses s'améliorer chaque jour... Ça t'est déjà arrivé? C'est pour ça que tu sais... Mon ref, attends. Il me parle, il est en train de bander. Bye. Tu m'as fait attendre. Il faut trouver de quoi se nourrir, après tout. Attends. C'est pour manger, d'accord? Et n'allez pas montrer ça au marché. Croyez-moi. Allez chez Zayda. Elle met toujours beaucoup de beurre. Ça, c'est vrai. Tu as l'air fatigué. Zayda, ça veut dire en trop. J'ai peut-être besoin d'une petite aventure. Zayd. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un registre d'expédition au port. En soi, il ne vaut rien, mais les informations qu'il renferme leur sont très précieuses. Un jeu d'enfant, tout ça. Ils n'ont rien de plus difficile. Je suis capable de bien mieux. Muselle un peu ton orgueil. Les gardes du calife sont présents en nombre. Tu ferais bien de t'en souvenir. Ton inquiétude a grandi depuis cette époque où nous vivions à Bagdad. Mon inquiétude est la même. Je deviens simplement trop vieux pour la cacher. Rapporte-moi ce registre et tâche de faire vite. Nous n'avons pas parlé de mon salaire. En effet, pas avant que tu aies réussi. Tu sais comme ils sont. Le flous! Ce n'est qu'un messager. Donne-moi le flous! Et toi, tu n'es qu'un garçon de course. Flous. Nul besoin de passer par lui pour une mission pareille. Ok. Il faut voler le registre. Débrouille-toi tout seul, Bassim. Tu sais que j'ai pas voulu me spoil, j'ai juste vu un extrait sur Twitter avec l'appel à la prière et je me suis dit, wow. Eden, dans le jeu, il n'y avait pas ça à l'ancienne. 16 caisses, un coffre, une demi-douzaine de sacoches. Il ne restait que 3 caisses la dernière fois que j'ai consulté le registre. Laissons au transporteur jusqu'à demain soir. S'ils ne se sont pas encore présentés, on considérera qu'ils ont oublié leurs marchandises. On les ouvre, on garde ce qui nous plaît le plus, et on jette le reste. Qu'est-ce que c'est? Oh là. Faut se baisser là. Donc ouais, je voulais quand même vous préciser comme ça. Donc c'est pas la version finale du jeu à laquelle je joue, tu vois. Pas finale, donc.
Alors, il y aura quelques bugs peut-être, peut-être un crash. Je sais pas. Si on me voit, je vais devoir filer. Heureusement que je suis plus rapide que ces gardes. Ouais, heureusement que tu aimes bien nager aussi, non? Tu n'aimes pas nager, regarde. Tu aimes nager, mon ref. J'ai cru voir aussi un gameplay. On pourra utiliser des barques ou des trucs comme ça. Je peux monter, frère. Salut, ça va ou quoi? Tranquille. Oh là là. Oh là, il n'a pas l'air très très... Ouais, il était en train de manger, quoi. Écoute, ne calculez pas. Wouh! Ah ouais, d'accord! Oh la dinguerie! Mais je savais pas! Oh là là! Merde, ils m'ont vu ou quoi? Ah non, ça disait juste zone interdite. Zone interdite. Ça me rappelle l'émission. Okay. Verrouillé. Un léger retard. Ok, mais c'est où du coup le bail que je dois voler? C'est lui qui l'a? Non, c'est vraiment là en fait. Quoi, on doit faire le tour? On doit faire quoi? On doit récupérer peut-être une clé. Mais là, ils vont pas m'entendre. Attends, il faut porter le truc là, non? Porter. Son arme, elle s'est plantée, frère. Déposer. Je peux pas le... Ah mince, je voulais le jeter, moi. Mince, je peux pas le... Mais il avait vraiment rien, en fait, le frère. Ah ouais, je captais. Il est assis tranquillement, lui, il me calcule pas, miskin. J'ai tapé dans le fiac, frère. Eh ouais. Méfie-toi de la crapule qui rôde. J'ai déposé très lentement et gentiment. Mais j'aurais pu être méchant. Et regarde où eux. Il faut que je lui tombe dessus là. Hein. Je crois que c'est préférable. Y a pas de mec au-dessus. Attends. Je peux pas. Peut-être comme ça. Oh là là, frère. Ça se fait pas de s'abattre comme ça sur des gens. J'ai rien demandé à personne. Oula. C'est un peu compliqué là. Ok. Maintenant que je me suis débarrassé des frérots. D'ailleurs, je sais même pas si c'était nécessaire, mais c'était un kiff en tout cas. Ça. Y a pas de doute. Bon, je vais rôder les frères, hein, vais vous dire si je trouve un truc. Ah, c'est lui là-haut qui a la clé. Ok, j'ai compris. Je peux tomber sur la gueule? Ah non, mais il est à l'intérieur. Ah ouais? Comment je fais pour l'avoir? How do I enter here? Ah ouais! Toi, t'es un petit malin, ouais, ça t'arrange ça, hein, que tu sois pas accessible pour moi. Ah ouais, tu perds un pouvoir. Attends, je crois que c'est par en bas. Je crois que c'est par en bas, ouais. Je dois retourner en bas et on va y aller. Ok, je peux me jeter d'ici? Youpa! Trop cool. Bon. Faites semblant de rien. Ah, déjà, les petits trucs à prendre là. Petit coffre Fortnite là. Qui fait plaisir. Alors. On peut monter par là? Ah ouais, même pas. Je pensais qu'il y aurait une trappe ou un truc. Je me suis trompé. Mais c'était par là, frère, j'avais pas vu. Barricadé! Mes frères! On peut utiliser des trucs comme ça. Ouais, c'est stylé. J'aime bien. Oh, un petit endroit aussi pour se cacher. Cool! Ok, bah ça aurait été bien que ça nous fasse accéder à l'étage en dessous, mais bon. Attends, j'ai porté le corps d'un quémé là. Oh non, 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 non.
arrêtez. N'ayez pas peur, il est en train de dormir, je te jure, c'est pas des bails bizarres. Est-ce qu'il va coller ou il va faire quoi? Ah, il flotte. Hein. Ah, flotte bien, mon ref. Ouais, bah c'est ça qui arrive quand on me cache des clés, mon ref. C'est quoi ça? Manger? Ah ouais? C'est bien ça. Ah ouais. Second. Ah ben non, ils sont en train de rigoler, ça va, ils sont pas traumatisés alors, tant mieux. J'ai pas vu, il y avait un mec ici aussi. Oh, j'ai cru que j'allais l'éclater contre le plan de travail, je sais pas quoi. C'est quoi? Harnachement de cheval. Qu'est-ce qui arrive si je porte son corps et je le jette sur ses ennemis? Ça va être une fin de mission? Ou pas? Regarde. Ah ben non, il est trop loin là. Je peux pas me balader avec. Ah si, je peux. Oh la dinguerie. Bah là, c'est un peu flag, hein. Ouais. Ouais, ils m'ont vu. Tenez, tenez, je vous le sers. Le dîner est servi. Ouais, je suis pas... Mais je suis parti où, là? Ah ouais, je savais même pas. D'accord. Elle pense savoir où je suis. Ils sont où? Bon, vas-y, on va se taper, Mais j'ai pas d'armes, moi. Aïe, je suis pas censé me battre, moi. À main nue. Mais j'ai rien. Mange merde. Aïe, je vais mourir, je crois. Ils vont me désynchroniser d'une vitesse. Mais c'est pas juste aussi. J'ai zéro arme. Non, mais bon. On va essayer de s'enfuir, hein. Je sais pas comment, mais on va essayer. T'inquiète pas, petit tour de passe-passe. Regarde, on se met là. Ça y est. Pourquoi tu pleures comme ça, toi, là? Ils savent pas que je suis là. Ils savent pas. Wesh, ils savent. Non, ils savent, j'ai rien dit. Là, ils savent pas. Voilà. You guys are somewhere, huh? You don't know where I am. Ils chercheront à l'emplacement de la silhouette de votre dernière position connue. J'espère que les gens, c'est pas des Pookaves. Because some Pookaves, ça m'arrange pas. En tout cas, j'ai bien kiffé. Se sont bien occupés de moi, mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. On peut fouiller ici, peut-être je vais trouver des trucs, mais c'est que des petits bails de trésors, de je sais pas quoi. Hey, t'approches pas, frère, reste là-bas avec ton pote. Yeah. Dis pas qu'ils arrivent vers là, frère, laissez-moi tranquille. On peut enlever les barricades là. Ah non, c'est barricadé de chez barricadé. Ok. Ils sont encore en bas, je peux pas faire n'importe quoi. Waouh! Mais non, on peut pas vivre tranquillement ici ou pas? C'est une dinguerie d'être comme ça, les Rey. Ils vont en éclater, hein, juste là, les Rey. Voilà, même si je pense que ça sert à rien. Voilà, un dirham. Est-ce que ça en valait la peine? Je pense pas. Hein. Hey, mais je savais pas, mais... En fait, je peux siffler et peut-être qu'en faisant ça, je peux attirer un des mecs, là. Peut-être là, il va se dire... Non? Tu penses pas? Ah. Voilà. Il se passe quelque chose? Ouais, il se passe quelque chose, mon ref. Pour moi, ça a fait du changement. Bah oui. Allons voir. Vas-y. Nous ne sommes pas seuls. Alors ouvrez l'œil. Bah oui, on n'est pas seuls. Viens, l'hamar, viens. Ouvre ta fenêtre. Il était mignon, le... Je vais essayer de le faire là. Peut-être qu'il va m'attendre. Peut-être qu'il va venir, je sais pas. Quoi? Il se passe quelque chose? Allez, oula! Alerte! Quelqu'un est là où il ne devrait pas. Bah oui! Bah viens! J'espère vraiment qu'il va ouvrir, sinon on va pas rester bloqué ici. Quand même! Ouvre! Il veut pas ouvrir. Je vais devenir fou, hein. Oh, regarde, il est descendu. Pour moi, ça a fait du changement. Alerte! Quelqu'un est là où il ne devrait pas. J'aurais dû rester là, frère. Ah,
donc la trappe, elle était là. Ah! Ah! Non, me dis pas que depuis tout à l'heure c'était comme ça. Mais quoi? Oh, j'ai envie de me buter, frère. Pourquoi? Moi, je savais pas. Y'a qu'à moi que ça arrive de pas être attentif comme ça. Je tournais en rond depuis 10 minutes. Je comprenais pas. Moi, j'étais là, je me disais, ah, faut que je le fasse sortir de la porte. Il va ouvrir la porte. Et nanani, nanana. Oh là là. Et du coup, est-ce que j'ai vraiment eu le truc que je voulais ou pas? J'ai pas l'impression, hein, que j'ai eu sa clé. Attends, quoique. Quoique, parce que là j'ai juste pris son corps et je l'ai mis directement là-bas. Dis pas qu'il fallait pas. Attends. Il est toujours là le corps? J'ai mis porté. Hein. J'ai pas l'air de l'avoir porté. Hein. Ouais, bah je crois que j'ai pris ce qu'il fallait. Bon, on enchaîne. Voilà ce qu'on voulait voir. Je me demande quel secret renferme ce registre. Bon. J'arriverai peut-être à tirer de ce vieux gros. Pendant que d'autres personnes. Informations sur ce contrat. Ils auront fait ça en 10 minutes dans leur. Dans leur gameplay. Eh ben moi non! Parce qu'on est sur la chaîne d'Ayoub. Ici, tout est spécial. Dégage! Ah, oh, j'aime trop pousser les gens sur la route comme ça. Dégage! Toujours balayé, frère. Ce que je vois. C'était beaucoup trop facile. Non, c'était pas si facile que ça. C'était. Alors, en fait, j'étais un peu bête. Ça serait utile. Un peu tête en l'air. Oh. Je vais voir ce que je peux faire. Who's this? Elle a l'air importante. Tu devrais demander plus d'argent. Chut. Bah, Basim, tu tombes à pic. L'as-tu obtenu? Oui, et sans trop d'efforts. Donne-le-moi. Tu es donc l'une d'entre eux? Moi, je la connais pas, en tout cas. Voilà. Apparemment, cela a été livré ce matin. C'est bien le coffre que vous cherchez? J'en suis certaine. Payez le garçon. Voilà. Vous voulez quelque chose? Je suis là. Delwish peut le confirmer. Il m'a confié tous vos contrats. Tu as joué ton rôle dans ce cas. Je peux faire bien plus. Cette tâche a coûté la vie à deux de mes meilleurs hommes. Je doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Alors engage-moi! Tu as deux postes vacants. Allez! Rochon! Je mérite la moitié pour cette insulte. Merci, Deloïche. Écoute, Basim, si tu veux continuer à travailler pour moi, reste à ta place et tiens ta langue. Oh, Deloïche, t'es pas si Deloïche que ça au final. Hein. Fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu me dis, frère, sinon. Pourquoi t'entêtes-tu à te comporter ainsi? Comme quoi? Comme un mendiant, désireux à tout prix de se faire remarquer. À tout prix? Je sais ce que je fais, Nihal. J'ai du talent. I know what I'm je doing. Je serais vraiment un atout pour cette femme. Mais elle ne veut pas de toi, cette femme. Tu es un voleur des rues aux pieds sales. Pourquoi t'entêter? Pourquoi vouloir suivre cette voie? Parce que rester sales. Un voleur des rues n'est pas la plus grande de mes ambitions. Je vaux plus que ça. Je ne suis pas qu'une paire de mains qui vole des bourses. Mais ça, il n'arrive pas encore à le voir. Tu vas te faire voler, frère. C'est raté, Jassim. C'est quoi, ça? C'est ma dernière création. Elle m'aide à me débarrasser des marchands qui me voient. Fouiller dans leurs affaires et tout ça. Mm-hmm. Quelle chance alors d'y avoir échappé. Tu sens fort. Où as-tu traîné? On a pêché sur le port toute la matinée, mais on n'a rien attrapé. Le port? Est-ce que tu as vu ou entendu parler d'un coffre, par hasard? Ah oui! Tout un coffre noir. Vraiment très beau. Des gardes l'ont pris pour la porter au palais. Shukran lakaya, Jassim. Ça, ça veut dire merci à toi, barre ta gueule. Que comptes-tu faire? Ils veulent ce coffre? Je vais le leur apporter. Ils verront de quoi je suis capable. Tu as la tête aussi dure qu'une pierre. Alors nous allons le faire ensemble. Si tu te fais prendre au palais d'hiver, on te tuera sur le champ. Il nous faut un moyen d'entrer.
Et je crois avoir une petite idée. Ok. Enfin, si tu acceptes de me laisser diriger pour une fois. Vas-y, hein. Ne te sens pas obligé, Nihal. Je sais ce que tu penses de tout cela. Que c'est de la pure folie, oui. Mais je n'arriverai pas à t'en empêcher. Donc, je vais venir avec toi et te harceler jusqu'à ce que tu abandonnes l'idée folle de voler un coffre. Un coffre au palais. Au palais d'hiver du calife. T'entendre le dire ainsi me donne plus envie encore. Bon, on y va ou pas? Bah ouais. Je te suis. C'est une mauvaise idée, Basim. D'ailleurs, si tu réussissais et s'ils t'accueillaient parmi eux, qu'arriverait-il? Tu nous oublierais? Bien sûr que non. Nihal, leurs intérêts sont les mêmes que les nôtres. Tes intérêts, mes intérêts, ceux des laissés pour compte qui doivent se contenter de miettes et d'eau croupie. On pourrait la quitter, cette vie, grâce à moi. Je pourrais être celui qui permettra à Jacib d'utiliser ses talents pour devenir un artisan. Celui qui veillera à ce que les plus honnêtes ne soient pas traités injustement, comme mon père l'a été. Oh, le chat! Et qu'aucun enfant n'ait plus jamais à s'inquiéter du lendemain. Waouh! J'entends tes paroles, Basim. Il est trop mignon! Mais tu te fais le portrait d'un monde qui ne peut exister. C'est là où nos avis diffèrent. Moi, je voulais l'emmener avec moi, le chat, frère. Je le mets sur mon épaule. Ça devient mon acolyte. Mon associé dans le crime. Un criminel, je dirais même. Ouais, je l'ai dit. Un criminel. On pourrait se fondre dans la masse avec moi. Juste à côté de moi, tu vois. Il aurait une petite épée. En gros, le chapeauter, quoi. J'aimerais bien le chapeauter, si c'est possible. C'est pas trop demandé, quand même, non? Nous y sommes. C'est le palais d'hiver. Ouais, je suis bien, où ton palais, frère? À toi l'honneur. Palais, j'entends palais. Moi, j'entends un truc big, big, big. C'est quoi, ça, là? C'est ça, le palais? Ah ouais. Elle se presse pas, là, ma femme. Tu veux bien revenir ici? Ah, ok. Bah, de toute manière, tu vas venir. Pourquoi tu me crasses un peu la tête, toi, non? Ouais, t'aimes bien me crasser la tête, j'ai rapté. Viens. Attendons la nuit. The night. Oh my god, man. Oh my god. You know, this is the night. At night, il y a les lunes. Cela ne réveille-t-il pas en toi d'agréables souvenirs? Agréable, oui. Il n'y a pas si longtemps, nous comptions notre butin ici, sous le couvert de la nuit. Les risques étaient moins grands. La récompense moins grande aussi. Eh bien, avant d'aller la réclamer, cette récompense, il va te falloir la mériter. Et à ce que je vois, il faudra être ingénieux. On peut toujours essayer par la grande porte. C'est ça. N'oublie pas de me dire si ça a marché. Où est-ce que tu vas? Je viens d'avoir une bonne idée. Si ce n'est pas ton cas, tu devrais peut-être suivre la mienne. Attends! Mec, moi j'ai hâte d'avoir une lame, t'as capté ou pas? C'est ce qu'on veut. Mais doucement. Doucement, frère. Ok. Il fait assez sombre. Viens. Nihal! Tu t'es décidé à suivre mes traces, Basim? C'est une bonne idée. Je sais que tu as horreur d'être seul. Mais non. Je vois des gardes là-bas. À la grenade et au citron vert. Tu veux qu'on siffle? Chut. J'ai entendu quelque chose. Comme un grondement. Bien sûr, c'est mon estomac. C'est vrai. Il a pas mangé depuis longtemps, Mskid. Prudence. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup. Avance ou je te laisse en arrière. Mais frère, je suis devant toi à la base. Bon, on fait quoi là? Je l'éclate? Ah non. Fais attention. Ok. La vision, man.
incroyable. Mission infiltration. Que je vais gâcher, je pense, non? Tu as vu les invités? Quelles étranges tenues. Mais tais-toi là. Fais qu'attirer les ennuis à parler comme ça. Pourquoi s'habiller comme ça? Ce n'est pas la fête, pourtant. Ils sont venus voir le calife au sujet de l'homme. Ils aiment parler mal, hein. Ouais, c'est un peu dans le sang des Arabes. Bon, pas que des Arabes, mais bon, c'est assez particulier. Parfait. Cette porte pourrait nous permettre d'entrer. Mais pas sans disposer d'une clé. Cherche dans les alentours. Quand tu dis les alentours, tu veux dire un garde. Ouais, j'ai compris. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oula, c'est un peu compliqué là. Putain, y a des mecs juste là. Silence. Et ne t'avise pas de gémir. Pas bouger là. Parce que j'ai rien, frère. J'ai juste. Mes deux points. Et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Téma, ils s'amusent là-bas, eux. C'est quoi ça? Ah, ma pote. Je vais pas me faire du souci pour ma pote, frère, aussi, non? C'est trop m'en demander. Alors, tu as trouvé une clé? Oui. Sans ton aide. Le calife a l'air préoccupé. Il faut dire, avec un fils aussi turbulent. Il est jeune, c'est normal. C'est son premier séjour au palais, non? Autant le laisser se promener. Et répondre à ses besoins. Cette réunion devrait être brève. C'est-à-dire répondre à ses besoins. Et voilà, viens. Des discussions un petit peu... Un peu... Par ici. Suspectes. Surtout sus. Ils sont arrivés, Maolé. C'est moi ou ils portent des masques? On dirait qu'ils portent des masques. Dehors, tous. Je dois les rencontrer seuls. Père, laisse-moi rester. Emmenez-le. Il ne réussira jamais à le sortir du palais. Dans ce cas, je me contenterai de prendre ce qu'il contient. Bien vu. Ah si, portez bien des masques. Messieurs, bien vu. Al-Mutawakkil. Tout est en ordre. Mutawakkil, ça veut pas dire le responsable. J'ai compris que ceci avait beaucoup de valeur pour vous. Bien, le procureur, je sais pas. Ce sera sous bonne garde ici. L'inverse serait inacceptable. Nous mènerons notre tâche et reviendrons te voir quand nous serons prêts. Toi aussi, calife, prépare-toi. Pourrais-je voir un instant ce qu'il contient? Si nous devons le protéger de nos vies, nous... Tu n'as rien vu de tout cela. Rien. Et tu n'en diras mot. Ah non. Est-ce bien compris? Oui, ça veut dire celui qui place sa confiance en Dieu. Apparemment, hein. Voilà notre chance. Non, mais ça, c'est autre chose qu'on dit tout à l'Allah. C'est pas... Mais là, c'est pas pareil. Quelqu'un approche. Il y a deux quelqu'un en l'occurrence. Ah, pourquoi je peux plus faire ma vision? Par ici. Tout est calme. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Regarde un peu ces arches. On pourrait en gratter un morceau et le vendre son pesant d'or. Tu as pensé à apporter une pioche, j'espère. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on entrera dans un palais. Je suis un peu déçu de mes skills de traduction, frère. Je pensais être traducteur, au final, je suis parti sur Google. Ouais.
Non, après, j'ai pas un... Mon arabe, il est pas parfait, les frères. Hein. En tout cas, pas encore. Mais surtout, allez, l'arabe classique, on littéraire. Ouvre, on vole, on file. Tu vois ? C'est pas... Bassim, vite ! Quand j'étais petit, j'étais chaud, hein, par contre. Très chaud. Bassim. Je savais très très bien lire. Maintenant, je peux lire, mais bon... Pas aussi facilement. Ah ouais. Donne-moi ça. Il en aimait une, non, pas deux. Non. As-tu la moindre idée de ce qu'il faut me faire? Pitié, je suis désolé. C'est ta faute. Non. Pitié. Tu n'es qu'un sale petit voleur. Oh là là. Oh. Cours. Nihal, attends. Père. You have to run. Attrape ce gamin. Parce qu'il fait trop ça à l'ancienne. C'est bon, tu te sens poursuivi. Non, non, fermez pas, s'il vous plaît. Mais ouais, c'était gratuit ça. Personne ne passera ici. Oula, 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 oula. Voilà la révolution. Là-bas, je le vois. Oula, oula. Mais non. Aïe. Le chat, le chat, le chat. Ouais, bah miaou. Non, me dis pas qu'ils l'ont tué. Non, ils l'ont pas tué, c'était un autre chat. Encore un chat. Qu'est-ce qu'on a fait? Il est en panique. Viens, viens, viens. Réconforte-moi, réconforte-moi. S'il te plaît. Mais non. Oui, oui, réconforte-moi. S'il te plaît, frère. Là, j'ai une sale journée today. J'ai juré. Allez, juste caresser. Mais je pouvais le caresser il y a un instant. Là, je ne peux plus. Non! Ils sont encore là? Ouais, ils sont dans le coin. Mais oui. Tiens, moi, t'es mon petit chaton. T'es mon petit chat. Mais reviens! Attends, pourquoi ils s'excitent comme ça, là? J'ai l'impression qu'ils sont tous alertés, là. Elle a... Qu'est-ce qu'elle m'a pris? Je dois la retrouver. Elle a dû rentrer. Peut-être que oui, peut-être que non. On peut nager en bas ici? Mais c'est pas assez profond, on dirait. Apparemment, on peut pas. Bon. Je vous retrouve au point où il faut partir. En tout cas, la joue, ce que j'aime bien. Enfin, ce qui est pas mal quand même, c'est qu'il n'y a pas des gardes sur les toits. Donc ça aurait été un peu tranquille. Et s'il y avait aussi des gardes sur les toits et qu'ils étaient alertés, Nihal. Ce serait un peu compliqué. Oh, là. Nihal. Peut-être qu'elle a quitté la ville. Parce qu'elle a trop peur. Elle a les chocottes. Ma petite cocotte. Qui mange de la compote avec son pote. Bah, on n'est pas mort, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, bah, c'est qu'on a tué un daron, non? It's a little bit complicated. Non! Arrête! You know, life is complicated. Tiens! Qu'est-ce que tu veux de non, moi? Non, c'est encore l'esprit, là!
Doucement. Calme-toi, Basim. Nihal ? Non, pas vraiment. Ah, c'est la meuf. Te sens-tu bien ? Bof. Tant mieux. Parce que tu vas devoir m'expliquer ceci. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dis-moi ce qui s'est passé. Le silence n'est pas ton allié à cet instant. Ce n'est pas ça. Je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Cet objet, il m'a fait quelque chose. J'étais dans un autre lieu. Passé. Froid. J'étais terrifié. Avant que je puisse réagir, le calife était en train de m'étrangler. Ça a été un accident. C'est vrai. Je n'ai pas voulu. Je voulais simplement vous aider. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. J'ai un bateau sur les quais, à l'ouest. Quoi ? Non, je ne peux pas partir. Il faut que je trouve Nihal. Partir. Réfléchis, Basim. Les gardes du calife recherchent celui qui l'a tué. Un jeune voleur correspondant à ta description. Description. Ils n'auront de cesse de te chercher. Et lorsqu'ils t'auront trouvé, ce n'est pas en prison qu'ils te jetteront. Prison. Mais dans une tombe de fortune. La sonce. Je t'offre une deuxième chance. Chance. Saisis-la. Saisis-la. Eh ouais. Nihal. Nihal. Delouish. Delouish. Ils sont tous en danger. Danger. Ok. Les soldats traquent tous ceux qui me ressemblent. Bon, 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 bon. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Pour l'instant, c'est un 20 sur 20, en particulier grâce au chat. Oh non, maintenant il y a des gardes. Il ne serait jamais à l'abri, sauf si je parviens à se laisser. Oula, oh ça m'a enlevé de la vie de fou. Ça m'a enlevé trop de vie. Te voilà. Me voilà de rien du tout, frère. Laisse-moi tranquille. Du coup, j'ai pas sauté dans l'eau directement, il y avait du sol, frère. Oh ! Ils l'ont tué ! Non, wesh ! Ah non, ils l'ont pas tué ! Mais c'est qui ça alors ? Ne regarde pas ! Il n'y a rien qu'on aurait pu faire. Si le calife était encore en vie, tout cela ne serait jamais arrivé. Mesure bien la portée de tes accusations. Ah, en fait, ils ont tué Delouis, je crois, non ? Tout ça pour impressionner tes amis. C'est moi qui nous ai sauvés. Mais tu les as tués. Toi, seul. Là-bas, avec moi. Je prie de ne jamais revoir ton visage. Vite ! Yo, j'ai l'osa. Ils sont tous morts. Alors que c'est moi qu'on voulait chercher. Yaouja. Achar. Non. Apprends à viser, l'hamar. Faut que t'apprennes à viser. Vas-y, vas-y, viens nager. Tu veux nager ? Ah ouais, Yerjim Aliya ! Imkayas, Imkayas, Imkayas ! Ah ouais ! Ils ont un aimbot de Kayas ! Ah, ils sont venus synchro. Oh my god, c'est tendu les frères, c'est tendu. T'as remarqué, il y avait un aigle ou un faucon ? Il était venu ? Te voilà. C'est dommage, il lâche pas des phrases du genre. Il y a calme. Tu vois ou pas ? Hop là, hop là. Reviens ici. Si tu parlais mieux, peut-être que je reviendrai ici. Est-ce que c'est lui ? Je crois bien. On va aller en zone. Il fera l'affaire. Voilà ! Voilà ! Debout !
C'est Roshan, sauf qu'elle n'est pas Roshan, t'as capté ou pas? Wow. Une femme fatale. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est de l'action. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne réfléchis pas. Laissez-moi le faire en gameplay, non? Oula, non? That was the intro. Bah, ça introduit très bien, du coup. Mais on n'est pas encore assassin, you know, assassin. Non, on veut être assassin. Ah ouais, il est dans les vapes, là. Wesh, on est dans Valhalla. Ah bah, j'ai juste vu une montagne avec de la neige, hein. Wow! Alors, ils sont les esprits, ils sont pas là. Galaxy pas là, la 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 la. La petite biche. Un nouveau jour, une nouvelle épreuve. Je ferais mieux de rentrer. New day, new motherfucking problem now. Now I'm saying man. Oh, petit lapin ou je sais pas quoi là. Viens, viens, je te caresse. Non. On peut caresser que les chats. Ok. On peut grimper à n'importe quel truc ici. Pas confiance en toi. Qui t'accordera la sienne? Non, non, on peut pas. Te voilà. Es-tu prêt? Je crois. Chasse le passé de ton esprit. Il est sans effet sur le présent. C'est vrai. Avec toi. Ouais. Et nous commencerons. Ouais. Frère, elle a une voix. Comme si elle a fumé depuis le premier jour de sa naissance. Enfin, premier jour de sa naissance. Premier jour de... Bref, de son existence. Ouais, c'est bon. On fait un stage chez les assassins. Ouais. Vas-y, Basim. Comme à l'entraînement. Comme à l'ancienne. Voilà. T'as capté. T'as capté ou pas? Tiens bon. Voilà, Basim. J'aime bien quand tu fais ça, mon ref. Voilà, 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 voilà. Voilà. Tu es en forme, Basim. Tiens, en forme. Continue comme ça. Dis, machallah, avant que je te pousse. Calme, Basim. Tout va bien. Everything is fine. Allez. J'en ai vu assez. Allez. Nous resserrons demain. J'en ai vu assez. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. Le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. C'est l'un des rites les plus sacrés, les plus ancestraux de la confrérie. Pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, ton corps et ton âme. Accueille la peur, dompte-la, trouve la sérénité et lance-toi. Oui, maître. Bon, rentrons en campement. C'est bon, frère. C'est simple. Je vais vous poser une question. Tu sautes. À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et 5 hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert. Mais ignorait ce qu'ils comptaient en faire. Ils ne connaissaient même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage? L'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et ceux-là ont les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre. Basim, parle à Foulad. Vois s'il a besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. Foulad, c'est quoi ça? As-tu vu Mentor Reihan? Foulard, ouais.
Il se prépare à recevoir les... Bonjour, Tabid. Bonjour, Bassim. Que t'arrive-t-il ? Mais c'est Foulad que je veux, moi ! C'est quoi ça, cherche Foulad ? Comment as-tu vu Foulad ? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Arakalahikan. Il se prépare à recevoir... Voilà, j'ai cru qu'il allait dire Barakallahu fik. Merci. Il aurait pu, hein. Ouais. J'aurais peut-être à t'en reparler. Bien entendu. Anna ? Ah, qu'y a-t-il dans ce coin-là ? Dis-moi, un petit dessin ? C'est ma signature, afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça, et pas Al-Hassan ou pire, Ahmed. Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Wadan, ça veut dire au revoir. Ah, bah il a dit Wadan. Comment vas-tu ? Oh ! Oui, je le veux ! Tu vas manger. Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Très intelligent. Je suis intelligent. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan ? Sois patient. Veille à faire des progrès. Smar. Je m'y applique sans cesse. Smar. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah oui, Rebecca a besoin de la lumière. Ça veut dire patiente, connard. Peux-tu aller en chercher dans les réserves ? Tout de suite, Foulad. Arrakalahikan. Foulad. Foulad, on dirait le nom d'une blessure. Même ce Foulad le... Foulad. Alors, voilà les tapis. Ce n'est pas ça. Alors, trouver des lanières de cuir. Non. Ce n'est pas une lanière de cuir. Ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici. N'oublie pas les plumes. D'accord. Où est-ce que l'on peut trouver ça ? Ah bah c'est toujours là en fait. Faut juste mieux chercher, c'est ça ? Ah c'est ça là-bas ? Mais j'ai tout cherché sauf ça en fait, je suis bizarre moi. Ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous. Des forces ? Tu veux parler de l'ordre, Aban ? Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yassadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous, vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la... réaction du califat. Ah, il fait des réacs, le califat ? Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugle ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Reyhan, il a du khoul, non ? Il a des... comment on appelle ça ? Il a du Maybelline, là. Ouais, c'est pas du Maybelline. Et Tahirid qui dirige ses... Mince ! Je voulais pas faire ça, les frères. C'est l'unique protection d'Alamoud contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps durera-t-elle ? Oui, il faut manger. C'est des baies... des baies... pas comestibles. Orsilon, je les envoie souvent là-bas, je sais pas ce qu'il raconte. C'est des bribes de conversation en fait, t'es pas censé tout capter. Alors, comment se passent les travaux ? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Yassaidi. Merci l'ouvrier pour les travaux. Mentor Rayan est un homme sage, mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat as-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a bien changé. Cette ville grouille de dangers. C'est quoi ça ? J'ai trop envie de le prendre. Ça tombe bien, c'est par là qu'on peut partir. On doit partir. Elle s'appelle Rebecca ? Rebecca ? Bassim. Es-tu encore aéré sans but dans le campement ? Attends, mais on a des Hamid, Raihan, Rebecca.
C'est bizarre, Rebecca. Sans mauvais jeu de mots, apparemment, attention. Tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Roshan a insisté. Voici ta dague. Ouais, j'ai cru à me planter. Ah, enfin ! Une vraie arme équilibrée. Et ton épée. Je suis fier d'y avoir travaillé. Tu peux transpercer les ennemis, ma foi. C'est cool, ça. On a de quoi se défendre, parce que depuis le début, là, je suis en mode fuir. Et ça, c'est... Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament. Là, tu as parlé. Là, j'aime bien. Tu as parlé français, là. Rebecca. Roshan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. Je brûle d'impatience de le planter. Mais attention, c'est un entraînement. Comment va ton instruction, Yasadiki ? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau. Et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups, et de façon meurtrière. Dois-je te rappeler comment on se sert d'une lame ? C'est cool. S'équiper, pardon, d'un outil. C'est pas ça ? À court de munitions. J'ai pas bien compris, hein. Le lieu de l'entraînement, c'est là ? Oh, faut grimper ! Faut grimper ! En tout cas, pour l'instant, si vous kiffez la vidéo... Je dis pour l'instant, ça fait une heure quand même. Si vous kiffez la vidéo, vous laissez un petit like, un petit commentaire, vous me dites si vous voulez me revoir sur le jeu. Moi, je pense y rejouer parce qu'aujourd'hui, c'était... Je voulais sortir le gameplay assez rapidement après la sortie du jeu. Je voulais sortir la vidéo un peu tôt, parmi les premiers, quoi. Mais il y a moyen de refaire un gameplay. Encore. Avec des cheats. Quoique, même sans cheat, ça peut être cool, mais ça dépend. Ce qui est bien, c'est les trucs avec les items, tu vois, genre. Les couteaux de lancer, trucs comme ça. Si t'en as à l'infini. Il y a aussi des sortes de fumigènes bizarres, ça rend les persos fous, là, les combattants. Beau travail. À demain. Les combattants, les gardes, tu vois. Bah, tu les retournes les uns contre les autres. Il est temps de t'entraîner au combat. Comme ça. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas... Parce que oui, quand je dis je ne suis pas spoil, ça veut pas dire que j'ai pas vu des trailers, quoi. J'ai vu des trailers, mais j'ai pas vu de vrai gameplay. Savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir 1000 visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu ? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là ? Eh bien, oui, je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit ? Est-ce une énigme ? Non, c'est la différence entre la vie et la mort. Ok. Bon. Prends soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton dos à un adversaire. D'accord. Oui, c'est mieux. Commence par me montrer tes coups rapides. Rapide. Bien. D'accord. Eh bien, je t'attends. Oh, ça n'a pas suffi, meuf. Excellent. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque afin de causer davantage de dégâts. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. C'est comment ? Oui, c'est ça. Allez, attaque en force. Ok, bon. Défense. Tu peux parer les attaques de ton adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes attaques. Question de timing. Comme ça. Voilà, tu es morte. Ouais, je comprends, elle était étourdie comme ça, carrément. Oui, c'est bien. Ok, j'ai compris. Possible de parer certaines attaques, qu'il faut alors esquiver. Prépare-toi. D'accord. J'aime pas trop les touches. Bon, après, moi, je suis clavier-souris, quoi, tu vois.
Normalement, ça devrait... C'est peut-être mieux avec la manette, je pense. Bon, improvisons un combat. Sers-toi de ce que tu as appris. Vas-y. Ah merde, pourquoi je me trompe? Ouais, elle est dure. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'elle peut me die ici, frère. Mais wesh! Ah ouais, je pouvais pas l'esquiver, celle-là. J'ai capté. Wesh! Bah, j'ai rien compris, en fait. Wesh! Mais là, elle improvise pas un combat, elle est en train de m'enchaîner. C'est pas pareil, l'ancienne. Doucement sur ton élève, là, non? Oula! Allez, réveille-toi. Sois un peu à ce que tu fais. Ouais, mais là tu vas un peu trop fort, là. Entraînez-vous, ouais. Déchiquetez-vous avec elle, ouais. C'est pas cool, ça. Je ne m'y attendais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi, je ne m'y attendais pas. C'est tout pour aujourd'hui, Basim. Pourquoi s'arrêter? That's all, folks. L'échec ne m'apprend rien. L'apprentissage exige action et calme, à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Bien. À plus tard. À plus. Ma puce. Qui mange du couscous? Armad va bientôt regagner la maison de la sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Abu Ja'far Mohammed! Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Ja'far. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Ta'ala wa barakatuh. Ahmad. Oui, barakatuh. Mes excuses. Ce n'est rien. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Mais Oulad, pas mal l'ambiance, hein. Raconte à Basim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Maat. Les plumes du héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le seigneur de la douat. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir? Je vais venir avec toi, Noor. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Ça s'appelle Noor. Je t'en remercie. Allons-y. C'est beau. Tu viens, Basim? Tu écouteras ces récits plus tard. Vas-y. Ok, bon. Parler en toute confiance? Tu sais bien que oui. J'ai entendu par accident Mentor Raihan converser avec un émissaire. Mentor Raihan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens avec des rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamut? Je l'ignore. Mais je plains ceux qui voudraient attaquer ce nid d'aigle. T'as en vrai le logo des assassins, il est trop carré. Il ne se passe rien sur Alamut. Enfin, le logo d'Assassin's Creed, quoi. Famine. Ça déchire. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, Noor. Suis-moi. Oh, plutôt alors, toi, as-tu hâte de recevoir moi. Ton initiation? Oui, j'ai hâte. Et j'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Mince. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte, pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu veux parler de l'ordre? Je vois ses membres comme les monstres des contes. Tapis dans les coins sombres. Et je me suis coupé la parole.
Voici Murja. Magnifique. Bientôt, tu en auras un, toi aussi. Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais ce n'était pas un compliment. J'en ai déjà porté un. C'est trop mignon. J'ai juré. Il était sur mon bras comme ça. Pas un bruit passif. C'était gros oiseau, frère. Mais je sais pas, c'est splendide, c'est magnifique, c'est waouh. Trouve un endroit où te cacher. Quel est cet endroit? Ils approchent sûrement de leur campement et ils ne le savent pas. Tenez-vous prêts. Silence. Est-ce que je peux le tuer ou pas? I don't know now. Attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Il nous faut attendre le bon moment. Reste où tu es. Il m'a pas vu, frère. Quand tu dis frapper au bon moment, c'est-à-dire... On va se battre contre eux. Ah, mais j'ai de quoi me battre. Aïe. Ça y est, j'ai déjà oublié l'entraînement. Aïe. Oula. Ouais, bah je l'ai déjà oublié, j'ai dit. Vas-y. Ok. Je pense que j'aurais dû siffler. Allez. Petit. Hé, toi, je voudrais te parler. Ne fais pas un bruit. Il est où, mon pote? On va se jeter sur eux, en fait. Quoi? Reste là. Voilà. Mais j'ai rien à leur lancer. Voilà, tuez. En fait, faut juste esquive. Oula. Au bon moment. Allez. Ça va. Ça change des cibles en bois, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Cette épée... Elle appartient à un tempère. Quoi? Qu'est-elle donc? Tempère. Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Ok, bon, ça va. Je m'attendais à pire en termes de difficulté. Après, je crois que j'ai pris difficulté moyenne. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu? Bassim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui. Fais-le venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire, se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui, et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali ibn Mohammed. Ah, bien sûr, Sahib Azanj. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. So crazy, man. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. Wafakakallah. En gros, ça veut dire que Dieu t'aide. Wafakakallah. Allah yuwaffiqak. Wada'ahan. Rakaraikan. Rakaraika, ça j'ai pas compris, frère. Ça, j'ai pas compris. Ah,
t'entends ce qu'elle dit, frère ? Notre Dieu, Dieu des cieux. Ah, il a laissé la beubare. Ça, c'est un Rajel. Avec un grand R. J'ai bien aimé. Ok. Le menu des compétences. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, du coup, j'ai pris ça. Collecte auto. J'avoue que, bon, c'est peut-être mieux de prendre ça, là. Ouais, ça, c'est plus stylé. C'est un coup de pied, you know ? You give it a coup de pied. Like this. Voilà, après une parade. Wow ! Mais c'est trop stylé. J'avoue, quand t'es sur un toit, frère. Voilà, tu tombes. J'ai tombé sur un morceau. L'ancien. Oh. Je pense pas que c'était haut comme ça. Assalamu alaikum, Bassem. Alaikum salam. Je dois aller voir Al-Hassan. Il m'attend. Ok. L'atelier d'Al-Hassan. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Salut, BG. Alors, comment t'es senti en ce jour important ? C'est étrange, Al-Hassan. Mon esprit est plus calme que je l'aurais imaginé. Je m'attendais à une tempête intérieure. Je suis à l'aise, serein. C'est parce que tu t'es appliqué lors de ton instruction et n'as rien laissé au hasard. C'est bien. Tiens, Bassim, tu as bien mérité ceci. C'est un grand honneur. Mais j'imagine que tu le sais. Roshan et les autres m'attendent. Wadaan. Et merci, Al-Hassan. Il m'a donné quoi ? Oh, l'Arnab ! Al-Arnab ! Ça veut dire le lapin. J'aimerais jeter un coup d'œil à la grotte. Rien qu'un instant. On peut s'asseoir ici ? Pour voir ce qui s'y trouve. Moi, je sais une chose à propos de la cérémonie d'aujourd'hui. Tranquille. Si Bassim sortira de la grotte un peu plus léger qu'il ne l'est entré. Ce qu'on faisait à l'ancienne, ça. C'est cruel, ce que tu dis. Cruel ? Alors, quoi, c'est bien beau. Ce serait un honneur. C'est bien, bien beau. Comment te sens-tu, Bassim ? Prêt à faire ce grand saut ? Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Fulan, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Viens, ta nouvelle tenue n'attend que toi. Vous n'avez pas déjà une nouvelle tenue ? Ah, elle te va bien. Viens, il est temps. Ah, tu m'as mis bien, Foulade. Comment t'es-tu senti en ce jour si lointain ? J'étais effrayé. J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient comme une feuille. Pour info, on peut pas courir. Hein. Peut-être j'ai un que peu de mal à t'imaginer effrayé. Laisse-moi te faire part d'un secret, Bassim, en ce jour important. Le courage, ce n'est rien d'autre qu'agir justement lorsqu'on a peur. Ils vont l'adouber ou je sais pas quoi là. Yeah.
Oh, je suis pas trop fort, les frères. Dis, voilà, j'ai pas placé des bonnes voix là. T'as cru c'était le jeu? Eh ben non! Basim Ibn Israq, es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre? Je le suis. Oui, c'est vrai. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être? Non. Et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? Ben non. Je le suis. N'oublie jamais les préceptes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. Oh, il doit couper le doigt! Oh my god, mais deux doigts! Ça me rappelle, sans vouloir trop spoil, un moment dans Heavy Rain. Suis à présent la voix de l'aigle. T'as capté les voix, Zamel, t'es dégoûté, tu vois. Ça aurait été trop bien, c'est vrai. Écoute, écoute! Voilà, c'est moi! C'est moi derrière! Et Ubisoft, d'accord? Tu envoies un chèque. Je suis là, j'agrémente ton jeu avec des voix en plus et tout. Bienvenue chez vas-y. Ceux qu'on ne voit pas. Masha'Allah! Tabarakallah! Et tu es né de nouveau. Le mec est fort, quoi! Affronte-moi en tant qu'égal. Oh non, encore se battre contre. Ouais, elle a mis des lentilles. Bien joué. Ah merde, merde, merde. Elle va m'étriper, frère. Voilà, je fuis en fait. Tu laisses de nouveau la colère l'emporter. Je ne me rappelle pas t'avoir enseigné ça. Qu'en est-il de ma concentration ensuite? La dague. J'ai retenu la leçon, Roshan. C'est le moment où l'élève affronte son maître égal à égal. Bah c'est bon là, frère, on est en train un peu de la. Ça a donné. Lourd. Il a dit aide-moi. Quoi, il a mangé un truc qui. Ménage-toi surtout. Conserve tes forces. Il a voyagé léger. Quitté Bagdad en toute hâte. Oh, il est parti à Bagdad. Bois. Ali. Il a disparu. Merde. On l'a emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené? L'ordre. Qu'on l'amène dans ma tente. C'est le désordre, ouais. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Foulad. MDR. Tu t'appelles Foulad? MDR. Je sais pas si vous connaissez la vidéo de ce petit qui dit ça. T'as acheté ça pour moi? MDR. Oh les chameaux! Je suis content quand je vois mes frères les chameaux. Yeah.
Arrête, c'est moi je fais, c'est pas toi. Vas-y. Si je coupe le son, tu fais quoi? T'as vu, fais-moi le malin. Il a voulu me voler, moi, mais ce que je faisais des bonnes bacs. Comme ça, j'ai le dernier mot. Ouais, je suis tricheur de fou, va. Eh, vas-y, je suis meilleur que lui. Par respect pour la personne qui l'a fait. On pourrait juger, hein. Vous pourrez juger, vous pourrez dire, ok, Ayoub, là, vraiment, t'as terrassé le mec qui a fait la voix. Non, pas cette fois. Mais avant, c'était bien. Bassim, nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord, si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillons ces informations. Nous serons là-bas. Mmh. Harbiya. Harbat. C'est beau. Oh, c'est énorme. Oh, c'est magnifique. Bon. Où mon cœur va-t-il me mener maintenant? C'est quoi ça? Waouh! Au galop! Yalla, yalla! Yalla! Elle peut nager ou pas la monture? J'espère pour elle parce que là j'ai envie d'aller nager, frère. Ouais. Oh. Bah presque. Elle nage presque en fait. Ah c'est magnifique en vrai. Hein. Ça faisait mieux tout à l'heure, non? J'arrive plus à le faire. J'ai perdu mes pouvoirs, les frères. Ah, elle a une barre d'endurance, la monture. Ah, c'est profond, là. Tu vas nager, là. C'est possible ou pas? Oh, tu nages. Oh, là, c'est adorable. Ya yeah. Sauf que je suis pas au bon endroit, là. Qu'est-ce que je fais, là? Allez, tu sautes. C'est mieux qu'un cheval. Vision familière. Ravi de te revoir, Bagdad. Montre-moi donc ce que j'ai manqué. Ouais. Présent de la porte de Damas. J'avais vu dans un gameplay qu'on pourrait... Allez, dégage! On pourrait se mettre sur des petites barques. Je sais pas si on peut. Ah, attends. On peut appeler le... Prête-moi ton regard. Oh, oh. Forgeron. Tailleur. Oh! Tailleur, ça c'est pour les vêtements. Oh, c'est énorme. Monte, 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 monte. Tu peux capter encore là-haut? Wow. Wow. Non, mais c'est trop beau, frère. La ville, elle est énorme. Donc, c'est là qu'il faut partir? Oh. Non, là, c'est une claque. On peut descendre ou pas? Comment je fais pour descendre? Al-Hamar. Du coup, ça, je sais pas. Ah, voilà. Pour descendre. Du coup, c'est où les bails de barre que je vous ai dit, là? On peut pas utiliser n'importe lesquels. Faut que j'en ai une, en fait. À moi? À moi seul? Mais je suis pas encore en fait. Tu peux plonger, ça va, c'est un peu profond, là. Avant, dans l'autre ville, on pouvait pas trop.
Ah ça va, on est pas loin, du coup on peut y aller à pied quoi. Ok, désolé madame. Non, la ville, elle est trop tard. C'est une dinguerie. Attends, mais du coup c'est où? C'est là qu'il faut partir. Attends, je vais partir un peu sur les toits. À mon avis, hein, alors je dis ça comme ça, hein, mais à mon avis, vous allez peut-être me revoir sur le jeu. T'as vu ce que ça fait quand tu sautes? Ça fait des tremblements et tout. En vrai, j'aime bien. Pardon. Non, c'est agréable. Mais donnez-moi des missions, you know, des missions très énervées. Eh, mais wesh, c'est où? C'est là? C'est quoi ça, là, à côté? Trouver le bureau samedi. Samedi ou le dimanche? Capté, samedi. Attends. Il y a un truc proche, là? Mais ça me disait 5 mètres. Ça... Ah, c'est là? Porte barricadée. Ok. Comment on va faire les khay? How we gonna do this? Par là? Barricadée de l'autre côté. Y'a pas quelqu'un à l'intérieur? Voilà! Wesh, pourquoi j'ai fait ça, frère? Mais pas de panique, j'ai juste fait tomber un truc. En speed, quoi, c'est pas... Wesh, on dirait, hein. Mais wesh. Il est mort, le frère. Nom de Dieu. Bah écoute. T'as plus besoin de ça. Hein. Voilà. Mais du coup, là, j'ai chopé un truc qui n'a rien à voir. Hein. C'était quand même satisfaisant. Au moins, j'ai réussi à faire un truc. Voilà. Bon. Ouah, t'es mal à carte. Wesh. C'est tout ça? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh, c'est une claque. Du coup, je crois que c'est là qu'il faut partir. C'est la prison. Mais attends. Faut que je comprenne là ce qui se passe. La légende. Donc, quête non su... Donc ça, c'est... C'est bien objectif. Je crois, non? Ah, il me semble. Ah non, c'est là. Ah, voilà, oui, ok. J'ai assez traîné comme ça. Roshan et Foulad doivent probablement m'attendre au bureau. Ok, donc en fait, j'avais le droit de traîner si j'avais envie de traîner, you know. Mais bon. Comme dit la chanson, laisse pas traîner ton fesse. Oh, j'aurais pu faire un truc là. Ah non, c'est un... Un truc avec une charge, je sais pas quoi là. Attends, du coup, ça va être à. J'allais dire à l'étage. Elle faut monter, non? Où sont mes potes? C'est pas eux, hein? Mais non, frère. C'est là? Oh! Pourquoi tu fais le choquer comme ça, frère? On dirait. Ah mais il est encore loin l'objectif en fait. Ah bah non, c'est pas loin, c'est juste là. My pot is here. Et on dirait... Ah oui, ils sont à l'intérieur en fait. D'un truc. Ok, voilà, c'est là. C'est donc ça, un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un taudis. Mais certains bureaux le sont, et d'autres sont ornés d'or fin. Peu importe la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Ce qui est assurément le cas ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile? Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais... Nour était en lien avec un dénommé Béchi. Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Tu veux dire Béchi? Il travaille sur les quais, au port supérieur. Vois s'il se trouve dans les parages.
Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. J'ai trouvé quelque chose. Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince. Mais au moins, c'est un bon début. Foulad et moi allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok. Non mais c'est bon ça, je pense que j'ai compris. Enfin, j'avais pris du temps à comprendre. Mais... là, je crois que j'ai compris. Alors, c'est quoi ça? Bah, Béchir! Trouver Béchir. D'accord, qui travaille au port supérieur. Et ça, trouver le contact de Nour. Ok. Ok, j'ai capté. Ah, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. I like this so much. De pouvoir enfin se balader sur les toits. On est sur le nouvel Assassin's Creed, man. Oh là, j'ai cru que j'allais tomber sur le mec. Oh, on peut taper les gens ou pas? Pardon, pardon, pardon. Bah... oh. Vas-y, est-ce que ça fait comme à l'ancienne si tu tues des innocents? Ça te désynchronise. Voilà, ça entraîne à désynchroniser. Ouais, c'est parce que... il va te dire c'est pas compatible avec ce que faisait l'ancêtre ou je sais pas quoi, là. Mais par contre, je vois pas les mecs. Ils sont pas là. Mais wesh, pourquoi vous me suivez pas, frère? Allez! Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ah ouais, ils me suivent. Je veux voir ça fait quoi, une course-poursuite, you know. Est-ce qu'il grimpe ou pas? Normalement, il grimpe. Non? Ah non, il ne grimpe pas, en fait, hein. Je crois que ça va dépendre des gardes ou tu vois. I think so. Oh, t'es mal instru de dingue. Je suis bientôt arrivé à destination là. Il me semble. Est-ce que c'est le port? C'est pas ça? Frère, je viens d'arriver, je suis déjà 5 étoiles. C'est fou quand même. Trouvez Béchi! Où est Béchi? Béchi, Béchi, Béchi. Ah, il y a des trucs en surbrillance, là. Hein? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que... merde! Aïe, attends, je vais tester mon truc, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Aïe, 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 aïe. Attends, je teste un truc, j'ai dit. Mais non! Mais pas plusieurs, Yazebi! Allez, consomme un élixir. Non, frère. Bon, je vous retrouve d'ici peu, hein. Mais en fait, je me rends compte que j'étais pas vraiment au bon endroit. Enfin, j'étais là-bas, mais il était là. C'est son voisin et personne d'autre qui l'aidera à se relever. Nous avons été divisés. Mais ici et aujourd'hui, nous tenons. Et tant que nous resterons en vie, ouais, ce combat, lui aussi, tiendra. Alors, affûtez vos lames, mes frères. Priez pour qu'Allah guide votre bras. Car ouais, à ce jour, une grande victoire se dessine à l'horizon. Je crois pas si bien dire, mon ref. Oula, non. Je devrais pas faire ça. Hein. Attends, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ils m'ont conseillé de le faire. Mais il peut me parler, C'est toi, Béchi? Comme ça? Ouais. Je suis un allié de Nour. Tu le connais, n'est-ce pas? Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie? À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler? Bassim. Très bien, Bassim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose. Il parle mal, mais efficace. Il a pas tort. Hein. Pourquoi donc? Vous comptez aller chercher Ali? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port, un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici, pour escorter ceux que nous libérerons.
Vous avez tous la même manière de penser. Mais le plan est bon. Ah bah j'ai déjà fait une introduction à cet endroit-là. Ça s'est pas très bien passé. Le Hamar, viens, 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 viens. Je peux monter sur lui? Mais non. Il m'a fait une veste qui de fou. Je peux pas le caresser? Bon, dommage. Ok. Bon. Si j'ai bien compris, c'est ici qu'il faut venir. Libérer les rebelles. Oula, il y a un mec juste là. Ne te retourne pas, s'il te plaît. Il y a un mec juste... Ah, on peut pas se tenir au niveau des coins. Au niveau des coins-coins. Mon ref. On entend des gens, frère, qui sont en train de dire pitié. Épargnez ma vie. ISFB. Oh, des dirhams. Ouais, du coup, c'est bizarre de repasser ici. Hein. Après tout le bordel que j'ai causé. Ils sont là, en fait, tu vois. Ok, pour localiser. Hein. Ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Forcément. Mais on dirait qu'il n'est pas... Alors, que vois-tu? Ah si, voilà. Pour marquer automatiquement. Ah ouais, c'est un drone, ma parole. Ok. Donc ça, on sait. Ça, c'est un frérot que je devrais... sauver. Mode stationnaire, t'as vu? On peut pas partir plus bas. Incroyable, il m'a donné ses yeux. Ça, c'est un mec que je peux sauver? Ça, c'est personne. Ça, c'est un ennemi. Deux ennemis. Ça, c'est pas un mec là-bas? Ça, c'est un ennemi aussi. Où sont les autres qu'on peut libérer? Attends, ils peuvent te remarquer comme ça? Ou bien ça, c'est genre pour m'indiquer qu'il y a, il y a un objectif là-bas? Je sais pas. Ouais, j'ai pas énormément joué au jeu Assassin's Creed, les gars, donc... je sais pas beaucoup comment cela fonctionne. Ouais, bah... Je pense que c'est bon, là, non? C'est pas bon? Y'a encore d'autres gens? Ouais, y'a un mec juste là. Didn't see him, man. Bah, cela va être un petit peu complicado, non? Ça fait beaucoup, là, non? Mais... est-ce que si je passe comme ça, il me remarque ou pas? Les deux là. J'ai eu des nouvelles de l'entourage de Kadiha. Hey, toi! Non, 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 je non. Je connais ton visage. Comment ça, tu me connais? Au secours! Par pitié! Il m'a vu? Oh non, il m'a vu! Il va venir, il va venir! Hey! Oh, il m'a vu à travers. Oh la merde! La poudre des scampettes. Il faut leur mettre une tempête. Pas un endroit où se cacher. Chien. Allez, comment on fait ça? Oui. T'as un mec là. Bien vu en tout cas. Ah oui, il est sur mes côtes le yinche. C'est dingue d'être comme ça. Monte, 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 monte. Il va pas savoir que je suis là. Ils sont trop hamar. Ben oui, ils sont cons. Ouais, 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 ouais. Bon. En tout cas, j'ai fait distraction. Il n'y a pas de truc de paille. Ah ouais, mais c'est là-bas, frère. Je peux pas sauter dedans, comme ça. Ouais. Je peux sauter sur lui, tu penses? Ah, ça aurait été bien. Attends. J'aurais pu sauter sur l'autre. On va venir pour toi, on va venir. Il est où, mon pote? Merde, il est en bas.
plus il est en train de le surveiller l'autre. C'est vrai, c'est un peu compliqué. Hein. On sera prêts. Nous sommes prêts depuis notre naissance. Ça mérite un coup d'œil. Attends là. Hé hey. Oh non. Hey. Oh non. Où est-ce que... Je peux pas la voir comme ça. Ça a fait du changement. Bah, la prudence nous garde en vie. Allons, viens, 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 viens. Viens. Voilà. Ah, c'est pratique, frère. Tu penses qu'il y a une limite? C'est pas... Il y a pas genre une limite de deux gars? Bah, oui, oui. Merde, ça attire les deux. Juste toi, frère, juste toi. C'est genre un truc qui n'a pas trop de sens, mais qui est incroyable. Allez, allez. Viens maintenant. Bon, je sais pas s'il veut l'avoir, lui. Wesh, il a dit une dev, il m'a dit je vais te démembrer lentement. Qu'est-ce que... Merde. Merci. Allez sur les quais. Retrouvez Béchir. Retrouvez Béchir. Y'a un mec là. Oh, y'a Zabi. Oh, lui il est compliqué, frère. Si je peux l'éclater, ça m'enlèverait une énorme épine du pied. Ouais. Il voudrait être en hauteur ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon. Regarde où il est là, c'est pas mal, hein. Par contre, il est juste à côté de l'autre là. Il m'a pas vu? Du coup, faire le ménage, hein. C'est pas ouf de laisser ça là. Il y a des mecs qui vont venir. Wow! Il m'a vu. C'est le moment de laisser le corps tomber, non? Allez. Je crois qu'ils ont vu l'autre corps. Il était très 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 flag. Vraiment vraiment. Attends, lui on doit le libérer? Ah bah oui. C'est le deuxième, tu penses? Ah, j'arrivais pas à le voir moi. D'accord. Donc ça c'est un des autres mecs. Et après c'est tout, non? Bien, je crois qu'il y en a un troisième. Il doit y en avoir un troisième ici là. Dans le coin. Ouais. Ça, c'est un autre ennemi. Et ça, c'est un autre ennemi. Et bref. Je pense que c'est tout. Hein. On peut y aller comme ça ou pas? Là, j'aurais voulu grimper, là, tu vois. Prendre en hauteur. Pour ensuite lui sauter sur sa face. On peut pas grimper au niveau de ses cordes là ou je sais pas quoi. Non, non, non. Par contre, je peux peut-être l'attirer quoi. Ouais, ouais, bah oui, je sais que t'es là mon ref. I know you are here. Sinon par derrière. Je sais pas. Regarde comme ça là. Peut-être qu'on aura la possibilité de le... Lui il est en panique là-bas. Ouais, ouais, parce qu'il y avait des gens en fait. C'est des témoins. Merci beaucoup, l'ami. Oula! Oula! Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? J'étais sûr. Mais ouais. Et est-ce qu'il est censé être là? C'est bizarre. Mais c'est un méchant, ça, je crois. Hein. Ben c'est juste un... Ah non, c'est totalement un méchant. Certains en fait, je me dis, il y a peut-être moyen de faire une double élimination. Ils sont sauvages et compétents. Ici, tu vois, des guerriers redoutables. Mais il paraît qu'ils couchent avec non. Leur sœur. Mince. Quoi? J'aurais trop voulu faire ça. Aïe, 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 aïe. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Tu veux qu'on se la donne? Tombe en arrière. Tombe en arrière. Ah bah, ben, il est mort. Qui d'autre m'a remarqué? Oh non.
Aïe! Aïe! C'est le moment où je m'enfuis! Tu me tiens pas, frère. Je vais m'échapper à travers l'eau, on est bien là! Mais frère, regarde, il est en train de se noyer, lui! Ils savent pas nager à l'époque! Ah ouais, il peut pas se battre! Ah ouais, j'ai capté, même moi je peux pas me battre contre lui! Il se noie! Tu peux pas t'enfuir! Lâche! Bah ouais, mais tu ne peux pas nager! Tu ne survivras pas! Ouais, parle pour toi, l'Ahmar. C'est bien ça, ça m'arrange. Mais du coup, c'est où? On peut pas rentrer ici, si. Ah. Je pense qu'il y a, quelqu'un à l'intérieur. Là. Je peux sauver. Mais c'est quoi cette... cette pièce-là? C'est bizarre, ça, non? Wesh, on dirait que c'est un labyrinthe, frère. Ah, pas possible. Merde. Ah, le dernier est là-bas en tout cas. Ok. On va essayer de faire ça bien. Ouais, là, la pièce elle était un peu chiante ici là. J'ai laissé tomber. Je me suis dit, ça sert à rien. Ah, ça va, je crois qu'il y a personne qui se balade, non? Semble. Ah, si, il y a un mec juste là. Il y a un autre mec. Ah non! Waouh! Comment je vais faire là? Il faut bien agir. Ouais, bien agir pour mieux réagir. Attends. Mettre un petit élixir. Ouais. Voilà, je me dis, il pourrait me voir lui. Yeah, tombe pas frère, tombe pas. Voilà. Moi, mets-le là, non? Faut pas le laisser. Et à lui, là. Qui revient. Si là. Ce qu'on a fait, c'est pas la définition d'Assassin's Creed, mais... C'est juste le fait de sauter là avec la lame. C'est incroyable. Ok, mais du coup... comment on va accéder au frérot là? Peut-être cette porte, je pense qu'il y avait une clé ou un truc. Bah c'est sûrement ça. Barricadé. Je crois que j'ai chopé la clé, non? Parce que là, je peux ouvrir ici. Merci, il n'y en a plus. L'ami. Je dois maintenant les rejoindre. C'est bien. Ok. Ça, c'est quoi? Lire. Elle roule. Pardon, toujours je me trompe, frère. Donc, où est-ce qu'on les rejoint? À l'entrée, tu penses? Ouais, je vais les suivre. Nous allons discuter. Ah, c'est là. Alors, c'est moi ou c'est pas moi? Tu es tenace, Bassim. Bah oui. Je ne fais que mon devoir. Ensemble, nous mettrons fin au malheur de cette ville. Ces malheurs sont l'œuvre d'Al-Ghul, celui dont on ne fait que parler sans jamais le voir. Que peux-tu me dire à son sujet? Il s'empare des ennemis du califat et les envoie creuser dans le désert. Prisonniers, rebelles, ouvriers, pour y chercher je ne sais quoi. Ces hommes avaient été capturés en même temps qu'Ali, il y a des semaines, et devaient finir leur vie dans le sable. Pas Ali. Il a été emmené ailleurs. Ils nous ont marqués et séparés. Ali était dans un autre groupe. Il tenait à l'interroger à propos... de toi... et... de tes amis. Peux-tu me montrer cette marque? Qu'as-tu en tête, Bassim? Ali et Nour se sont suffisamment approchés d'Al-Ghul pour qu'ils le remarquent. Si nous trouvons Ali, il pourra nous mener à Al-Ghul. C'est une solution, oui. Mais il y en a peut-être une autre. Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser et me faire passer pour un prisonnier. Tu es devenu fou. Entêté seulement. Tiens, prends ceci.
Que suis-je censé en faire? C'est un jeton de Khidma. Ceux qui en connaissent la valeur feront ce qu'ils pourront pour t'aider. Khidma. Je vais envoyer ces hommes au moulin à eau, dans les faubourgs du Nord. C'est une place forte rebelle. Tu y seras le bienvenu. Wafakakallah. Barakallah Ofik. Ah, Barakallah Ofik. Merci. Ma recherche d'Ali se poursuit. J'obtiendrai peut-être quelques indices dans le quartier de Shari. Ok. Bon, ça m'a fait plaisir cette découverte. Si vous avez kiffé, petit like, petit commentaire. Prenez soin de vous, c'est fini de haut. Peace. Eh ouais, merci.